Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'août, la séance club va vous faire voyager en vous proposant de prendre la route à la découverte ou à la redécouverte de classiques du Road Movie. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, nous vous diffuserons un film dans lequel le voyage est plus important que le point de départ ou d'arrivée. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Paris, Texas de Wim Wenders un film sorti en 1984. Mais avant de vous en parler et de vous laisser le voir, je vais vous raconter l'histoire des routes américaines qui ont en partie construit l'imaginaire du Road Movie. Dès le début du XXe siècle, les États-Unis ont commencé à se doter d'un important réseau de routes. En 1913, c'est la Lincoln Highway qui est devenue la première route spécialement conçue pour les voitures, traversant le pays d'est en ouest, de New York à San Francisco. Puis, dès les années 20, un certain nombre de routes bitumées ont fait leur apparition, comme la mythique route 66 qui relie Chicago à Los Angeles, mis en scène dans de nombreux films comme Easy Rider ou Thelma et Louise. Puis, en 1955, le président Eisenhower lança un important programme de construction de plus de 65 000 km d'autoroutes inter-État, financé par le gouvernement américain, avec pour objectif de quadriller l'ensemble du territoire fédéral. Le projet, prévu pour durer 10 ans, s'étala finalement jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui encore, les États-Unis ont le plus grand réseau routier du monde, avec un total de plus de 6,5 millions de kilomètres, bien loin devant les 4,7 millions de kilomètres de l'Inde et les 4,1 millions de kilomètres de la Chine. Il est toujours assez ironique de rappeler ce genre de réalité historique, le fait que c'est l'État fédéral qui a massivement financé les routes pour faciliter les déplacements de la population, de la même manière que le développement du chemin de fer au 19e siècle, puisque cela tranche avec l'imaginaire collectif américain. La route, c'est le symbole de la liberté individuelle par excellence, le fait de pouvoir circuler quand on le souhaite, où on le souhaite, de n'être dépendant de rien ni de personne. Et la question de l'imaginaire collectif, elle est justement au centre de Paris-Texas, le film que vous allez voir dans quelques minutes, puisqu'il a pour décor l'Ouest américain et ses routes, le tout mis en scène par un cinéaste européen, Wim Wenders. Paris-Texas, ce n'est ni son premier film, ni même son premier film américain, et ce n'est pas non plus son premier road movie. Au début des années 80, Wim Wenders avait déjà une carrière bien remplie, ayant d'abord tourné dans sa langue d'origine, l'allemand, pendant près d'une décennie. Ainsi, entre 1974 et 1976, alors que le genre explose aux États-Unis, Wim Wenders avait tourné coup sur coup trois road movies en Allemagne de l'Ouest. Il s'agit des films « Alice dans les villes »,« Faux mouvements » et « Au fil du temps ». Immédiatement après, en 1977, Wim Wenders réalisa L'ami américain, une adaptation de deux romans de l'autrice Patricia Highsmith, autour de son personnage de monsieur Ripley. C'est avec ce film que Wim Wenders se fit repérer aux États-Unis, notamment par un prestigieux confrère, Francis Ford Coppola, qui l'invita à le rencontrer en 1977. Ce dernier lui proposa alors de réaliser, pour le compte de sa société de production, American The l'adaptation d'un roman policier contemporain, Hamet, de Joe Gors, sorti en 1975. Mais l'expérience tourna assez vite au vinaigre. Après une pré-production de près de trois ans, le tournage commença au printemps 1980 et fut stoppé net par le producteur, Francis Ford Coppola, mécontent du résultat. En novembre 1981, soit plus d'un an et demi plus tard, quatre semaines de tournage supplémentaires permirent de reconfigurer le film, dépossédant presque entièrement Wim Wenders de son travail. Après cette déplaisante expérience, le réalisateur allemand avait toujours le souhait de poser son regard de cinéaste européen sur l'Amérique. Et pour ce faire, il souhaitait adapter Motel Chronicles, un recueil de nouvelles de son ami acteur et écrivain Sam Shepard. Ce dernier s'était notamment fait connaître en jouant dans Les Moissons du Ciel de Terence Malik en 1978 et en écrivant plusieurs pièces de théâtre. En lisant le scénario de Wim Wenders adapté de son recueil de nouvelles, Sam Shepard le trouva trop confus et proposa de repartir de zéro en écrivant un scénario original qui deviendra Paris, Texas. A l'été 1983, Wim Wenders se lança donc dans un voyage préparatoire de trois mois dans l'Ouest américain, et il réalisa à cette occasion bon nombre de photographies qui feront par la suite l'objet d'une exposition et d'un livre, mais qui avaient au départ pour fonction de préparer l'esthétique de son film. Point fort de Paris, Texas, ces images sont presque immédiatement devenues des lieux communs, et ont été depuis recyclées dans bon nombre d'autres films, publicités ou clips musicaux. Ainsi, même si vous n'avez pas encore vu Paris-Texas, votre imaginaire de l'Ouest américain vient certainement, sans que vous le sachiez, en partie de l'œil de Wim Wenders. Paris-Texas se démarque des road movies canoniques des années 70 et plus généralement des films américains de l'époque. Alors que la mode était aux courses-poursuites et à l'action, Wim Wenders propose une lente déambulation et un film très contemplatif. Véritable succès critique à sa sortie, le film fut récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1984. Cependant, Paris-Texas garde un point commun avec ses prédécesseurs. Bien qu'une femme soit présente sur l'affiche du film, il reste, comme quasiment tous les road movies jusqu'alors, profondément masculin. Bien que critique avec son personnage principal, le film ne laisse que peu de place aux femmes, et pourtant, elles vont bien finir par s'approprier la route quelques années plus tard, dans Thelma et Louise. Vous en savez désormais un peu plus sur les routes américaines et sur Paris-Texas, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, N'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du cinéma Rex de Sarlat. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.